Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui change un peu de l'ordinaire parce que je vais vous présenter un jeu. Ce jeu a été évidemment développé sur Unity, donc c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire, mais là je tenais à vous le présenter parce que franchement il est assez sympa. Alors je vais vous le dire son nom, il est assez imprononçable. Dr. Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald. Encore une fois, excusez-moi pour mon anglais, mais évidemment le titre est assez chiant. Mais le jeu franchement est super. Donc comme on peut le voir, on connaît bien ici l'interface d'Unity, on va pouvoir personnaliser ici les contrôles, vous avez l'habitude. Et ce jeu, franchement, il est top, vous allez voir qu'il est bourré d'humour, et donc je vous propose de faire une petite partie. C'est parti, on démarre ça tout de suite. Alors c'est parti, une fois le jeu lancé, une interface très sobre, mais encore une fois c'est pas bien important. Donc ici au niveau du menu, la chose à faire c'est surtout au niveau des options et de la langue, mettre par défaut le français parce que sinon vous êtes en anglais, alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Ce qui est un peu dommage c'est d'ailleurs que la bande son du jeu est en anglais, mais malheureusement c'est comme ça. Donc on va démarrer le jeu tout de suite. Donc ce jeu, moi je l'ai découvert sur Steam, mais il est téléchargeable, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y aura peut-être d'ailleurs quelques petites infos en plus. Comme je vous le disais, c'est un jeu assez simple. J'ai fait quelques petites recherches. Il est évidemment développé sous Unity. Quelque chose que vous pouvez finir en 10 minutes, hein, 10-15 minutes. Donc, comme on peut voir là, c'est parti. Donc, je suis ici au niveau de la salle. Donc, évidemment, les touches classiques, W pour avancer, c'est du Unity. Hein, donc, voilà. Donc, on peut voir que les graphismes sont particulièrement soignés. Et on peut voir que ça parle derrière. Donc, on vous dit derrière, nous avons une lanterne défectueuse. Voilà. Donc, je ne vais pas lire ce qui est écrit à l'écran, mais vous pouvez voir que vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, j'ai déjà joué. Donc, évidemment, on va avancer un peu. Donc, ici, on nous dit pour le moment, on cherche un petit peu. La première fois, vous cherchez, mais c'est assez intuitif. Donc, ici, please buzz for entry. Donc, je vous le dis bien. Voilà. Et là, on va vous expliquer, vous allez voir, c'est assez marrant que vous ne pouvez pas jouer, que vous avez téléchargé le jeu, mais que voilà, il n'y a pas de place. Donc en attendant, hein, que ça nous parle. Bon, salut. Je vais aller chercher une petite boisson, tiens, un data drink. On peut aller récupérer The thing is, les infos. The game you've just downloaded, somebody is playing it right now, so you can't. Ici, on peut avoir le menu, ce qui est assez déroutant parce que la première fois que vous jouez, normalement, vous arrivez bien devant, vous avez l'impression que rien ne se passe. Alors, c'est assez dérangeant. Je ne sais pas pourquoi ça continue d'arriver. Voilà, ça y est, je peux rentrer. Here's the thing. The game's live, which makes on dit que le jeu est en cours, ce qui rend possible ton intégration. Alors on peut voir, les graphismes sont super quand même. Vraiment bien fait, on s'ennuie pas, parce que même là, si on lit entre deux, alors on peut ramasser, vous voyez, des petits post-it, on peut jouer un petit peu avec les éléments autour, normalement. Voilà, je peux tourner la tasse. Alors, j'ai pas encore vraiment beaucoup joué, donc vous pouvez voir que on peut faire pas mal de choses. Alors là, il dit qu'il va appeler. Évidemment, ce qui va être marrant, c'est que c'est moi qui vais aller décrocher. Et en fait, quand je clique, ça raccroche. Alors, ça va arriver plusieurs fois. Tout au long du jeu, vous allez raccrocher le téléphone et à la fin, il va râler. Donc voilà, enfin, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a un peu d'humour. Donc, moi, j'aime bien ce style de jeu. C'est pas trop prise de tête. Alors, il va recommencer. Donc, je vais redécrocher. Okay. Oh, I know what's going on. We've got something of a strike sort of situation emerging. Yeah, we've become quite understaffed. Alors moi, pendant Actually, ce temps-là, je m'en fous un peu. You wouldn't mind doing me a favor, would you? Je peux éteindre l'allumer la lumière, on peut pas voir. I could really use your help. Alors, utiliser ton aide. Donc là, je vais devoir l'aider un moment. But donc ça, je pense qu'il va avoir le petit histoire de braquage here, par la suite. I could just let you know when we're ready for you. Ah, la porte est ouverte, j'avais pas vu. Donc on y va, c'est parti ici. Voilà. You know, why miss out on this opportunity, right? Donc ici, si je me souviens bien, déjà j'ai quelque chose à ramasser ici. Voilà, alors je sais pas ce que c'est. Je peux le ramasser. Super simple. It's mostly buttons. You like buttons, right? And you'll be able to play the game as soon as whoever is in there at the moment is finished. Promise. Donc on va me dire que je pourrais jouer après. Okay, this way. Tu vas aider. Bah, j'ai rien dit, mais bon. Yeah, voilà, ça y est, je peux y aller. Donc on va par ici. Alors je vais assez vite, évidemment vous pouvez découvrir des choses dans les levels, hein. Là je vais assez vite. Donc nous ne pouvons pas avoir les gens jouant dans le noir. Donc je dois allumer la lumière si je ne vous dis pas de bêtises. Et l'interrupteur est là, voilà. Donc au début vous cherchez un peu, hein. Little lights blinking on in the windows of the mansion, up past the ornamental ponds. Oh, it's
pretty magical. C'est bien, c'est assez magique, okay, c'est bien. Now we need to attack them with a tiger. It's a high stakes. Alors, c'est un jeu de braquage. Le joueur joue un gros braquage. Ouais, bah, je vais braquer alors. Alors, je peux allumer la lumière. Il y a des petits trucs ici, donc on peut voir. Je pense que c'est le plan du... C'est le plan du jeu. Just through the door. Là, il y a des chiffres. Alors, je sais pas si ça rapporte. Par contre, je vois que je peux... Alors, les petits post-it, normalement, on peut les rattraper. Donc, ça doit avoir un... Alors, c'est actuellement juste une pièce. Donc, je dois aller par ici. Appuyer sur l'interrupteur, non? Non, ici la porte. Je ne peux pas te laisser ici, c'est très compliqué, santé, sécurité. Ouais. Alors, ah, elle est là-bas la porte, pardon, je ne l'avais pas vue. Donc ici, on est ici, voilà. Ah, le tic, je me souviens. Donc encore une fois, j'ai déjà fait, il faudra, je pense, libérer le tigre. Donc pour ça, il faut cliquer ici. C'était bien plus rapide qu'attendu. J'ai déjà joué. Mais si vous l'écoutez, et ensuite il faut appuyer sur le bouton rouge. Oui, je suis devant. Voilà. Il veut pas. Voilà. Ah, encore. Voilà. Donc l'équipe va venir récupérer le tic qui est censé être dans cette case, cette cage, pardon. Voilà. Alors, on peut entendre la musique sympa, tout vraiment. Les décors sont super bien faits, hein, franchement. Voilà. Donc après. Salle météo, c'est parti. Alors ici, on va devoir. On va devoir ouvrir la flotte. Alors, évidemment, il faut attendre. Normalement, on vous explique, vous voyez, Bon, moi, je vais accélérer les choses. Hein. Je vais pas vous faire ici. Je me souviens qu'il faut tourner ça. Beaucoup trop. Nous y sommes. Donc, l'eau, elle devrait tomber. Et le bouton de ventilation. Alors, ça, c'est les éclairs. C'est pas ça. Le bouton de ventilation. Bon, c'est ça. Je crois que je dois lancer les éclairs maintenant. C'est très joli. C'est vrai, c'est très joli. Hop, on clique. Alors, on va essayer. On verra bien. Voilà. Alors c'est mal câblé. Cette salle devient humide. Ça marche. Un parapluie, disons. On peut le ramasser. Non, bon, dommage. Speaking of, the player has apparently entered the mansion through the orangery and is. Alors, le joueur est entré par l'orangerie. Ils sont sur le point. Ok, c'est ça, nous pouvons le faire. Ils sont juste là. Alors, c'est où? This way. Cette porte-là. Ah ouais. Faut encore attendre parce que. Ça va s'ouvrir après. Alors, en attendant, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment aller voir un petit peu ce qui se passe partout. On peut voir qu'il y a des feuilles par terre. Donc, je vais essayer de la ramasser si je peux. Non, je peux pas. Celle-là, je peux. Letter of resignation. Bon. Ouais. Alors on peut quand même clic droit en fait vous zoomez un peu, alors je sais pas à quoi ça sert. Mais on va aller tout de suite là-bas. Donc c'est parti. Ah oui, je me souviens ici. Donc on va devoir ici attendre. Se disant que quelqu'un va venir et au moment où le bouton rouge ici va s'allumer, on va devoir tirer sur cette poignée. Et on va nous expliquer pourquoi. Alors, ce jeu, en fait, on doit Stanley c'est William Pugh. Alors, je le présente peut-être mal, si vous faites des recherches. Et on doit un jeu du même type que je connais pas. J'ai juste vu la bande annonce du jeu qui s'appelle The Stanley Parable. Alors, je vais m'empresser d'aller le découvrir parce qu'apparemment, c'est pas mal. Sauf que je pense qu'il y a juste la démo. Il est payant, celui-là. Celui-ci a l'avantage d'être totalement gratuit. Donc, ça, c'est franchement bien. Voilà. Donc j'ai pas écouté, mais là normalement quand ça va s'allumer, on va devoir cliquer ici pour baisser le petit levier et je sais même plus ce que ça fait. Et là on voit personne, voilà. On peut écouter, hein. Ouais, c'est quand même assez bien fait. Hein. Ne bouge pas. Oh thank God, they're moving. Oh, no idea what happened there. I think they can't have heard. I hope they didn't hear. Probably didn't hear us. At least they're on their way now. Actually, they're going to be very busy with the vault. You could start playing voilà, the donc grounds. Là on peut commencer à jouer sur le terrain. For the escape sequence, and then you're good to go. There's a lift to the pyro workshop up the stairs. Voilà, donc on peut voir, hein, franchement, bon, je vais pas trop parler parce qu'évidemment c'est pas un tuto, mais on peut voir qu'on peut faire pas mal de choses. Alors je ramasse toujours ces petits post-it, je sais pas quoi ils servent, qui se rage. Tu peux te dépêcher, je fais ce que je veux quand même, il m'engueule en plus. Donc on va y aller, hop, c'est parti. Ouais, des petites guirlandes sur l'escalier. Franchement, les décors super soignés.
C'est dommage qu'il n'y a qu'un seul niveau pour le moment. Ce n'est pas un ascenseur. Oh, je me suis cassé la figure. Oh my god. Are you okay? Et je retourne dans cette salle. Oh là là. Non, mais c'est fait exprès, évidemment. Par contre, maintenant, je vous avoue, je ne sais plus ce que je dois faire. That's great. Non, j'ai tout. On verra bien. I'm so sorry about that. I really. This is. Well, this is the weather room, isn't it? Right. Le weather room. Okay, listen. Donc, la pièce météo. Since the lift of Pyro, the only way back into the game is through. C'est via le département nommé Haut Concept d'Interaction Diverse. Alors, il est où le Haut Concept d'Interaction Diverse? Il est prolo, c'est prolo. I'll talk you through it. It'll be fine. We'll be fine. You brace yourself. Si, c'était lui. Voilà. Donc ici, bah, un peu de végétation, comme on peut le voir. Ah oui, alors cette partie-là est assez sympa, vous allez voir. Avec des machines, et là, je vous avoue que la dernière fois, j'ai un peu merdouillé parce que j'ai pas trop lu ce qui était écrit. Comme on peut le voir, ici, je vais devoir jouer avec ce clavier. Voilà. Il faudra faire les numéros. Généralement, les opérateurs ont tout compris. Ouais, je suis pas un opérateur. Alors, bien dans l'ordre pour commencer, tu vas devoir appuyer sur le numéro 4. Allez, tac, j'appuie sur le 4. Don't worry about that. Don't worry, that's fine. That, ça I think clignote, that's normal. Je pense que c'est normal, bon, tout va bien. Alors, on peut entendre la musique derrière, like franchement top. Hein. À chaque fois, c'est super soigné quand même. Hein. Alors, 5, 7, 2, 1, 2. 1, 2, 1. 5, 7, 2, 1, 2. Ah, ok, so what we did there, it turns out, was the wrong thing. Could you press 9? 9. Bon, alors, je ne sais même pas si ça a de l'importance, comme on peut le voir, en fait. Mais bon, c'est parfait. Donc là j'appuie sur 9, voilà. Ah, il attendait, voilà. Donc ça je pense que c'est fait. Voilà, ça y est. Le téléphone, encore une fois. Alors c'est lequel? Celui-là? Non, c'est l'autre, pas de bol. C'est pas celui-là non plus. Ah, c'est celui-là, je l'avais pas vu, pardon. Alors c'est là où c'est un peu humoristique, c'est quand même pas mal. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de raccrocher. Mais en fait, il vous engueule. Alors, il a trouvé les bonnes instructions, super. Alors, comment on fait? 9, il va vraiment le dire. Supposer que 9, c'est réglé, d'accord? Bah, c'est bien. 5, 2, 1, 4, 4. 4. Wait, no! Hit start to cancel that. And then a 2. A 6. Just ignore that. Oh, je suis pas That's certain fine. Que ça doit servir à 7 de gauche. 7, 2, left. 1, left, 4, quoi, left. Oh Christ, please pick 1, 4, up the phone. 2. Please. And talk to them this time. Ouais, j'appuie n'importe où, c'est pas grave. Alors, c'est toujours celui-là. Pick up the phone. Please décroche. Bah, phone. C'est lequel? Ah, c'est celui-là peut-être. Ouais, bah oui, il clignote. Oh, come on! Encore? Oh, sérieux? T'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé. Bah, si je sais comment me servir d'un téléphone. Alors, 2, 5, 9. Bon, allez, on y va. Oh, on peut entendre. 9, je peux pas. Et tous les autres. Fais 180 jusqu'en bas des escaliers. Move. Rien compris. You really want to move right now. Faut bouger, bah alors je bouge. Alors il me semble que je vais être bloqué, voilà. Ça j'ai déjà fait en fait, ouais je me rappelle un petit peu. Voilà, donc c'est pas si mal, il va me dire en arrière, voilà. Donc je retourne en arrière. Ne t'inquiète pas, je m'inquiète pas. Hein. Appuie sur 7, 4, puis astérix. 7, 4, astérix. Oups. Alors ici toujours pas. Hein. Bon, moi j'ai pas beaucoup de mémoire. Ah, ça sonne. Ne fais pas ce que je pense que tu es prêt à faire. Bah bien sûr que si. Allez. Hop. Ouais, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il me semble que je vais devoir cliquer ici sur Downpour. On arrive à la fin du jeu, hein. Vous voyez que c'est pas très compliqué, mais c'est assez sympa, hein. Les effets, tout ça, c'est super soigné, on peut voir que les graphismes, c'est vraiment top. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu vois quoi?
Ah, j'ai entendu downpour. Alors, j'ai trouvé un moyen d'activer le mode dégradé pour un levier. Non, attends, sur la droite du levier, pas gauche, ne touche pas celui de gauche. Alors, il faut tourner un levier pour que downpour le levier. Le levier, je cherche le levier, il est là, pas celui de gauche. Bon, de toute façon, il n'y en a qu'un, allez, on va tirer celui-là, voilà. Je crois que c'est ça, voilà. Downpour est allumé, il pleut, tout va bien. Et nous l'avons fait. Voilà. Le joueur a quitté le château, je pense qu'on a réussi. Voilà. Donc l'idée, on peut voir, c'est de faire fuir en fait les cambrioleurs du château, si j'ai bien compris. Alors je ne l'ai fait qu'une seule et unique partie, vous pouvez voir que c'est super simple, mais franchement c'est pas mal. Tu n'en as pas fini ici, tu peux oublier tout ce qui s'est passé. Alors je sais plus ce qu'il nous dit après, après je sais même pas si on peut se barrer. Tu peux essayer de t'oublier, peu importe. Alors il me semble que je dois retourner à la pièce d'entrée. Et voilà. Merci beaucoup, backstage. On peut voir, franchement, super graphisme, vraiment top. Hop, voilà, c'est bien ça, je dois me barrer par ici. J'arrive à ma salle, voilà, et ici, ça devrait s'ouvrir, il me semble. You go in there, give me a moment, I will bring the lights up, and Dr. Lancer the Tiger, the Terribly Cursor, profites-en. Voilà, donc maintenant, je vais voir le film, en fait, si j'ai bien compris, on va voir. Voilà, j'y suis. Et là, on a, il me semble, un genre de générique de fin. Si j'ai bien compris. Donc voilà, vous pouvez voir, bah, la vidéo fait 15 minutes, donc le jeu, et là j'étais assez vite, mais vous pouvez, il doit y avoir des petits succès à développer, il y a pas mal de petites astuces encore qu'on peut voir, mais c'est un jeu franchement top, je tenais à vous le présenter, encore une fois développé sur Unity, donc on peut voir franchement la puissance d'Unity et qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment un jeu super sympa. Donc voilà, alors on va laisser continuer un petit peu, on n'est pas loin de la fin, hein. Et vous pouvez voir que les dialogues, je vous les lis pas évidemment, mais ils sont assez sympas, c'est bien fait, c'est vraiment, il y a de l'humour, il y a pas mal de choses que vous pouvez encore découvrir. Allez testez-le parce que c'est franchement top. Il est pas lourd. De mémoire, quelques 400-500 MO grand max. Même pas si grand, mais ça va relativement vite. Donc là, vous pouvez voir le petit générique de fin. Rien de spécial par la suite. Donc justement, William Poog. Vous avez tous ceux qui ont travaillé sur ce jeu. Donc pour voir, il y en a quand même quelques-uns, mais pas tant que ça. Le studio s'appelle BBB, Bro Bro Bro. Donc tous ces liens seront vraiment sur l'article, donc allez voir. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. J'en ferai encore d'autres à l'avenir. Si vous avez des titres à me proposer pour que je les présente à tout le monde, à nous les faire partager, pourquoi pas. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un tuto, peut-être une démo, je ne sais pas encore, on verra un petit peu ce qui se passe. Voilà, bye bye à tous, salut tout le monde.